ont été tués. Ici, aujourd'hui, ceux qui sont à Masisi, ceux qui sont à Rutshuru, sont gouvernés par un gouvernement étranger. Je vais vous demander qu'on observe une minute de silence pour ceux de nôtres qui nous ont quittés, ne l'ayant pas demandé. Madame Zangu, c'est avec beaucoup de peine et de souffrance que je prends la parole ici. Je suis très meurtri parce que en 2018, vous avez voté Fayulu, n'est-ce pas? Vous avez voté Fayulu. Vous avez voté Fayulu. Vous les avez Fayulu pour assurer la paix. Ici au Nord Kivu. Kusudi alete amani ndani ya jimbo la Nord Kivu. Mais la Kine, les destructeurs du Congo ont jugé autrement. Waribifu wa Congo wakaamua tofauti na chaguo yenu. Monsieur Kagame, Bwana Kagame, qui enfant avait placé Monsieur Kabila, Bele Amyeye Alikia, Bwana Joseph Kabila, il s'est entendu avec Kabila pour prendre votre victoire et placer Félix Tshisekedi. Wakakubaliana pamoja na Joseph Kabila wanyanganye vote yenu wakatia pale Bwana Félix Tshisekedi. Que Félix Tshisekedi est là, votre situation a changé. Alors j'entends des gens dire partout que Martin Fayulu est avec Félix Tshisekedi. Est-ce que vous le croyez? S'ils n'ont pas d'argument, ils doivent se taire. Félix Tshisekedi a volé votre pouvoir. Et il n'est pas digne. Nous ne pouvons pas accepter les traîtres dans ce pays. Félix Tshisekedi a noué des relations avec M. Paul Kagame pour déstabiliser l'Est du Congo. Bwana Tshisekedi walikubaliana Kagame kusudi wa haribu mashariki ya Congo. Vous avez vu, il a, par le canal de Kagame, il a amené notre pays à Eastern African Community, EAC. Walikubaliana na Kagame wakapeleka nchi yetu ndani ya EAC, muungano wa wale ambao wanatuvamia. Est-ce que avant nous étions dans l'EAC? Est-ce que ndani ya décision que tulikuwa kama EAC? Mais pourquoi il a amené le Congo dans l'EAC? Sababu gani alipeleka est-ce un pays sérieux sous-traite sa sécurité? Est-ce que qui a amené les M23 ici au Congo, au Nord-Kivu?
2023 au Kumukombo, Kumunor Kivu. Et après, papa de Kabila Mangine Nami. Tshisekedi, le M23 était battu. M23 il piqué au Wakati wa Mamadou na Bauma en 2013. Nos généraux le plus vaillant. Waskari wetu wenye nguvu wazalendo kamili. Bauma, Bauma, Mamadou Ndala ont battu à plate couture le M23. Walipika M23 sana sana. Monsieur Félix Tshisekedi a invité le M23 à Kinshasa pendant 14 mois. Bwana Tshisekedi a kaita watu M23 Kinshasa. C'est pour cela, vous le voyez aujourd'hui, déstabiliser le Nord Kivu, Masisi est déstabilisé, Rutshuru est déstabilisé, Goma vit sous tension. Dieu m'a dit, mon nom est Rutshuru, Masisi, Yoti Kodani Avita, Goma ina zingiri, bana zingira, na maishi na kuwa mabaya. Mes frères et sœurs, Dungu na dada zangu, Dieu est grand. Mungu ni mukubwa sana. Ils ont essayé, walijaribu, de balkaniser le Congo, kugawanya Congo. Mais ils ne pourront pas, ils n'ont pas réussi. Lakini hawayaweza. Grâce à vous. Sababu yenu nyinyi wa kototo wa Goma. Parce que, sababu, vous n'avez pas voulu céder. Hamukukubali ku Kagame avait demandé à Félix Tshisekedi de mettre la police rwandaise ici à Goma. Tshisekedi a dit non pas que Kagame allait te battre la police à Rwanda à Goma. Et vous avez refusé. Bravo pour vous. Situation. Idengo del Cato doit sortir. Idengo del Cato la poche à toi. Idengo del Cato c'est mon fils. Idengo del Cato ni mtoto yangu. Et King de Mauricio de la Lucha. Wa Lucha doit aussi sortir. Anapasha kutoka. Ils ont tué Luc Kulula, mais ils ne vont pas tuer tout le monde. Walimua Luc Kulula, lakini hata wakubalia waue watu yote. Mes frères et sœurs, Dungu na dada zangu, c'est extrêmement grave que certains compatriotes trahissent le pays pour leur poche. Ni jambo la kutokukubalika kuona watu wa kongomani fulani wanauzisha nchi sababu ya kujaza mifuko yao. Est-ce que en 2018, quoi 2018, vous l'avez voté qui? Vous l'avez voté en année. Vous l'avez voté qui? Est-ce que Félix n'a pas honte? Partout où on passe, on dit qu'on a voté Fayulu. Est-ce que Bana Félix a ce qui est haïa? Fasio te connaît pas ton apita, Bana Seba président est l'unimante Fayulu. Est-ce que quand il regarde ses enfants, sa femme, wakati anaona watoto wake wizard qui n'a pas gagné, na naangalia yeye hakugagné, est-ce qu'il n'a pas honte? J'ai ainsi qui est haïa. Alors dites à ceux qui veulent m'attacher à Félix Tshisekedi, mwambie wale ambao wanataka kumtaka dite wanapata haya mingi sana, parce que eux ils n'ont pas de valeur, sababu wao hawana morale ambayo wanatetea. Il y en a qui étaient avec moi dans Namuka, huko wengi ambao walikuwa pamoja na mimi mulamuka, ils se sont détachés, wakatoka, ils sont partis dans l'union sacrée, wakaenda mwinyo sacré. Donc ils ont fondé l'union sacrée avec Félix Tshisekedi. Wakaunda l'union sacrée pamoja na bwana Félix Tshisekedi. Donc c'est eux tous qui sont comptables de la situation actuelle du pays, n'est-ce pas? Ni wao wote ambao wanapaswa kuexpliquer bila ya hali ya leo ya uongozi wa nchi.
Il y a des gens qui n'ont pas honte de dire certaines choses. Aujourd'hui, il vient chez toi, il dit une chose, et demain il va là-bas, il dit autre chose. C'est dommage. Est-ce que c'est ce genre de leader que vous voulez? Est-ce que les gens ont vu les gens attaquent pour ton gros attention? Merci, merci. Je vous comprends. Vous êtes des hommes et des femmes des valeurs. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous voulons bâtir un Congo. Congo libre, fort, digne et prospère. Nous voulons un Congo qui soit un pays normal. Comme quand on construit une maison. On commence par les quatre murs de fondation. Mais si vous voulez que l'immeuble soit élevé plus loin, avec beaucoup d'étages, la fondation doit aussi être fonction du nombre d'étages que vous voulez. Il est fondation, il n'a pas de nguvu ya kubeba nombre ya étages zenye unataka kujenga. Et c'est pour cela. Dio sababu la notre programme. Mon programme est tout. Nous allons commencer par les quatre murs de fondation solide. Tuta anja kwa ukuta ine ya fondation zenye iko na nguvu sana. Le premier mur de fondation. Ukuta ya kwanza fondation ya programme yetu. C'est l'intégrité territoriale et la sécurité du pays. Ukuta ya kwanza ni ulinzi wa mipaka ya nchi na usalama na amani ya nchi yetu. Intégrité, sécurité du pays et pacification du pays. Mipaka ya nchi yetu kulindwa, kutia usalama, kutia sécurité ndani ya nchi. Cela veut dire quoi? Il n'a maanisha nini? Cela veut dire simplement. Il n'a maanisha kwamba que kwamba nous devons avoir une armée solide. Tunapaswa kuwa na jeshi ambayo iko na nguvu sana. Une armée de patriotes. Jeshi ya wazalendo. Une armée bien formée. Jeshi ambayo inapata mafunzo mazuri sana. Une armée de plus de 500 000 personnes bien équipées. Jeshi ya waskari zaidi ya 500 000 ambao wako na vifaa vya kutosha. Une armée motivée. Jeshi ambalo linalipiwa na liko na hamu ya kutumika. Quand nos militaires sont au front, wakati waskari wetu wako wanapiga vita, ils savent que leurs femmes et enfants sont entretenus par l'État. Wako wanahakikisha kwamba wabibi na watoto wao l'État iko inawashughulikia. Les enfants des militaires, watoto wa waskari, et les policiers, na watoto wa policiers, depuis l'école maternelle, tangu école maternelle, jusqu'à l'université. Université. L'État prendra en charge leur scolarité. Nous allons faire des casernes militaires dans le nord Kivu ici. Vous aurez des camps militaires qui soient des camps militaires dignes de ce nom. Ici à Goma, à Pagoma, à Beni, Uko Beni, à Butembo, Uko Butembo, nous aurons des camps militaires. Tutakuwa na kambi za waskari. Et nous aurons des unités bien formées. Tutakuwa na ma unité ya wasoda ambao wako formé mzuri. Qui vont surveiller nos frontières de l'Est. Kwa kulinda mipaka yetu ya ma.
mashariki, personne ne peut plus s'amuser avec les territoires congolais. Hatutaki mtu watu endelee kucheza na mipaka ya nchi ya Congo. Vous savez pourquoi ce qui nous est arrivé est arrivé. Vous savez pourquoi parce que on a mis des leaders, des dirigeants très faibles. On a mis les dirigeants faibles et les autres dirigeants des pays voisins profitent de leur faiblesse. J'ai beaucoup insisté sur cette question de sécurité, cette question de l'armée, parce que c'est la préoccupation majeure de mes frères et sœurs ici au Nord Kivu. Nimesema mazaidi tu ya jambo la jeshi la police, sababu usalama na kimya ndio ombi la kwanza la wakaaji wa jimbo la Nord Kivu. Deuxièmement, fondation ya pili, nous allons établir un état de droit. Hali ambayo wakongomani wote wako sawa sawa mbele ya sheria. On ne peut pas avoir comme ça quand un individu qui s'appelle Tshisekedi il veut, il impose l'état de siège. Hatuwezi kuwa muhali ya uongozi ambao wakati bwana Felix Tshisekedi anataka anasema mimi natia état de siège wa député ili watoke wa gouverneur ili watoke na vinaendelea vile. Non, on ne peut pas. Hatuwezi endelea kuitika mambo ya tout doit être conformément à la loi et à la constitution de la République. Mambo yote yanapaswa kufanyika sawa sawa na sheria, sawa sawa na katiba ya nchi yetu. Mes frères et sœurs, ndugu na dada zangu, demain, kesho, les lois seront les mêmes pour tout le monde. Sheria haki itakuwa sawa kwa wakongomani, kwa kila mkongomani yote. Idengo Delgado n'a rien fait. Idengo Delgado a kufanya kitu. Il a la liberté des artistes de dire ce qu'il veut. Iko na uhuru kama mfana muziki kusema ile ambayo ameaminia. Il y a un journaliste qui est à Kinshasa aujourd'hui. Kuna kwa mpasha habari ambaye iko Kinshasa emprisonné. Iko mu prison. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Hajui alifanya nini. Ça, ce n'est pas un état de droit. Ile haiko uongozi ambao wakongomani wote wako sawa sawa mbele ya sheria. Il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État. Kuko watu ambao waliiba mamilioni ya franga ya l'État. Qui ont été mis en prison. Walitiliwa mu prison. Mais ils ont été relâchés. Sans rembourser l'argent de l'État. Troisièmement, nous allons rétablir la cohésion nationale. Tout à l'heure, umoja kati ya makabila na wananchi wote wa Congo. Le Congo doit être un et indivisible. Congo n'a pas son combat qui monte à la pile à Kabongawanika. Félix Tshisekedi a amené le tribalisme. Voilà Tshisekedi a mené ta ubaguzi à makabila. Il a amené le tribalisme. Amené ta ubaguzi à makabila. Est-ce que ici, au Nord Kivu, vous connaissez le tribalisme? Est-ce qu'il y a un Nord Kivu qui a déjà ubaguzi? Et lui, il a amené le tribalisme. Naye yakaleta ubaguzi ya makabila.